seulement comme élu, mais comme citoyenne. C'est de garder avec eux un rapport qui doit exister entre pouvoir central avec collectivité territoriale et un rapport qui doit exister entre agents collectivité territoriale, CASEC, ASEC, et garder avec eux tout qui meilleure façon que eux-mêmes, comme élus, comme leaders, sont capables de mieux outiller pour être capables de répondre avec les obligations, pour être capables et remplir les fonctions correctement. 4 jours, l'idée commence lundi, et finit jeudi, pratiquement 4 jours, c'est la dernière journée. Et il faut me préciser pour nous que ce n'est pas seulement dans l'Ouest que la formation s'est faite, elle est faite dans plusieurs autres départements en DVIA. Et comme de fait, j'aime t'a dit à mes directeurs sénateurs qui sont formateurs et en de programme. Donc, jeudi, c'est la dernière journée dans la cadre série de formation. Nous gagnons plusieurs régions qui participer. Et surtout, les gens qui participent, c'est le personnel politique élu, à savoir FAMIO, qui, dans plusieurs départements, suivent et participent dans la formation. Vous comprenez, élu, vous êtes candidat et vous n'avez pas vraiment connu bon gens travail, vous pouvez le faire. Et peu importe le citoyen qui capote le candidat, il a développement selon lui-même. Mais elle n'a pas jamais gagné en formation qui a été faite pour eux. Et mesdames, ils ont rentré, ils ont réclamé quota et ce qui est fait quand même. Mais pourtant, ils n'ont pas jamais connu le rôle et l'attribution et surtout la bataille a fait pour rentrer dans 50% égalité entre garçons et filles que ils voulaient faire bataille pour lui. Mesdames et Lio doivent jouer un rôle important dans la question ça. Parce que, mesdames, les habits à fait sous femme, les à violer femme, les surtout les fait participer dans l'État, dans l'État, ils sont des élites et ils sont capables de porter plainte et ils ne doivent pas peur. Des fois, il y a des gens qui sont victimes dans la société, en femme surtout. Soit ils battent, ils battent, soit ils violent, ils ne pas parler, mais ils ne paraît difficile pour que ils aient le coton garçon pour dire mais ça aussi bien. Mais si sont femmes, ils ne peuvent plus parler avec elles. Mais femmes, ils doivent bien outiller, gagner des bagages, mais il faut qu'ils prennent formation, ils jouent une formation pour que eux-mêmes soient capables d'aider l'autre monde. Formation, ça qui prend là, j'espère que ne pas prêt là. Moi, mesdames, ils vraiment dans l'ambiance. Et fraternel côté qui ont tout entendu pour prendre formation. Moi, je pense que la formation, ça va aller plus loin. Subsection commune, les communes et habitation que Elisa a représenté, je pense que en pile le monde a bien compris comment vous défendre, surtout pour mesdames. Nous saluons toutes les amis de la presse qui là. C'est toujours un plaisir pour que nous accueillions dans l'enceinte. Paroisse universitaire là. Et je pas quoi li trop bonheur pour moi commencer souhaiter la presse en général yon joyeux Noël 2019 et yon souhait également pour yon heureuse année 2020 et garder de manière directe yon bilan année 2019 là. Nous tous, comme Haïtiens, nous sommes capables de remarquer que c'est une année qui était vraiment catastrophique. Et ceci sans que nous n'ayons aucun sentiment de pessimisme. Et c'est une année côté pays a rencontré des problèmes de toutes sortes, des problèmes économiques. Et c'est année ça, taux d'inflation plus élevé, produits alimentaires de base plus cher, monde souffre plus, ou plus monde qui a demandé également dans la rue Port-au-Prince. C'est une année 2019 côté crise politique là, il était très dur. Gagné plusieurs mois qui passaient dans l'oc seulement. Et nous capables de remarquer que situation de non confiance entre les classes politiques devient encore plus désastreuse. C'est une année également côté même l'école yo subi en pile. Et dans 2019 là, en pile joue l'école qui perdu. Et nous tous constaté que c'est quelques jours, ça fait quelques jours depuis pour début année scolaire là, que l'école
essayer commencer l'ouvrir. Donc son année côté l'école la souffri en pile, son année tout côté insécurité elle était terrible, parce que y a pile monde pendant l'année 2019 là qui marche à marche là qui recevoir des balles sans pas dans qu'en tirer tellement pas au prince pour l'année 2019 là t'est tourné un champ de tir côté tout temps c'est tiré ou attendre ces balles qui tombent tout côté. Donc par un haïtien qui capable qui t'a aimé vivre une année qui semblable à année 2019 ça qui pral finir. Pour ça nous proposer tout peuple haïtien même si année a été compliquée pour que dernière heure année 2019 yo nous t'a passé dans la prière ensemble et pour nous t'a commencé également première heure année 2020 yo dans la prière. Et c'est peut-être ça nous mettez sous pied une grande initiative le 31 décembre 2019 à partir de 6h du soir jusqu'au 1er janvier 2020 jusqu'à 5h du matin pour nous organiser n'a pas organisé une belle nuit la prière dans stade Silvio 14 autour de thème bénédiction bon Dieu couvrim rien mal pas qu'arriver. Donc pendant toute nuit ça nous inviter tout le monde qui voulait pour venir ensemble dans ce stade-là, pour nous capables de prier. Pendant toute nuit, ça a mis couleur blanc. Couleur blanc, son couleur de pureté, une couleur de sainteté. C'est comme si c'est un effort que nous avons fait pour nous capables de relancer tout ça qui est positif dans la vie, nous, dans la famille et dans la société. Dans nuit, ça a gagné prière chapelet. A gagné un moment de concert avec le père Asnik Merlet. N'a gagné messe avec père du Carmel Edouard. N'a gagné une grande bénédiction avec l'eau bénie à minuit côté plusieurs paix n'a béni tout le monde qui dans stade là et de manière symbolique tout Haïti parce que malchance pays a gagné nous pensons que pays a besoin laver et meilleure façon pour nous laver que nous à laver nous pour que nous rentrer dans 2021 c'est à travers bénédiction ça que nous pral faire n'a gagné des temps d'adoration du Saint Sacrement pour continuer remettre Haïti by bon Dieu. Et nous avons également des temps de prière, de guérison, de délivrance. Parce qu'en plus, les Haïtiens ont besoin de guérir la vie de manière personnelle et guérir également le sentiment de haine, le sentiment de rancune qui envahit chaque Haïtien. Donc, tout le monde, j'en ai dit, nous avons aimé que vous mettez couleur blanc. Pour venir également avec un siège dans ce stade-là, parce qu'à minuit, nous n'avons plus mis tout siège, ça y est. Pour nous capables de demander, bon Dieu, lumière pour Haïti. Parce que, ombre, malheur, violence, insécurité à couvrir nous. Et il est pour que lumière, bon Dieu, commence à éclairer Haïti. Pour que l'année 2020 n'est pas sortie aussi catastrophique que l'année 2019. L'an, c'est consacré pays à bail, bon Dieu, dans la prière. Je dis à nous-mêmes dans le groupe 17 des partis politiques alliés du président Jovenel Moïse. Je dis à nous inviter la presse. C'est vu de conjoncture sociopolitique pays d'Haïti, journée aujourd'hui. N'a pas fait un passé sous de 86, de 2004 à 2018-2019, toute bousculade pays d'Haïti prend. C'est ça fait que nous-mêmes, 17 partis politiques alliés du président Jovenel Moïse, nous font proposition de sortie de crise. Pour le pays d'Haïti pas continuer dans la même instabilité politique. Ça. En 1994, nous sommes obligés de faire intervention l'armée américaine pour rétablir le président constitutionnellement à cause des mandats en 1994. En 2004, nous avons gagné intervention ministère dans le pays. En 2017, nous avons gagné intervention ministre. Qui raison d'être c'est cause instabilité politique là. Journée aujourd'hui, nous-mêmes dans 17 partis politiques alliés du président Jovenel Moïse, nous là pour nous gain pour un bon dialogue qui organisé dans pays. C'est pas première fois dialogue a fait. Le dialogue El Rancho, le dialogue qui nam qui était fait, mais solution nous pas joindre. Raison d'être c'est parce que nous pas bien embrasser problème pays et cause qui te crée instabilité politique. C'est que dialogue qu'on fait,
ou qu'on ouait des dirigeants des partis politiques, c'est plus des directions générales, des ministères, yo plus campé ou dit yo vinn des tels postes. Mais yo pas posé vraiment problème pays a pour que nous pas retourner dans même problème là encore. C'est ça fait que nous-mêmes pour dialogue ça, premièrement nous connaît mandat président, il pas négociable président République là, Jovenel Moïse il est élu pour 5 ans. Deuxièmement, il faut que dialogue la fait pour nous aboutir avec un gouvernement qui pour répondre à besoin population. Nous-mêmes dans le groupe G17 PPA qui c'est 17 partis politiques alliés du président Jovenel Moïse. Nous conscients que le pays a traversé un moment crucial côté que tout le monde supposé mettre tête ensemble pour nous sauver le pays. Et c'est ça que nous avons dit aujourd'hui. Et G17 PPA a présenté une proposition de sortie de crise pour permettre que la question de problèmes politiques soit capable de résoudre, problème inégalité sociale yo capable résoudre et question de d'instabilité politique là nous capable finir avec. Donc n'a dit que pour tout le monde national et international, Haïti rentré dans le concert des nations démocratiques depuis 1986, qui veut dire que yon président et pour moun président faut passer dans l'élection et lors sorti dans l'élection constitution pays a bay moun nan on durer mandat. Mandat présidentiel là, c'est 5 ans. Ça, son bagage, il n'y a pas besoin de négocier sous lui. Et deuxième bagage qui gagne, faut que le pays a gagné un gouvernement qui peut permettre que il y ait une capacité, gouvernement capable de capacité pour attaquer les problèmes cruciaux du pays pour que enfin les filles et les fils de la nation capables de jouir de bonheur qui gagne dans le pays. Donc, nous remettons à la presse une copie de documents de propositions de sortie de crise noire qui excellent nous capable dire qui gagne en pile bagaille très positif la donne pour permettre que nous déraper et n'a demandé à tout acteur politique quitte de l'opposition quitte allié pour nous tout nous connaît nous c'est des concitoyens des patriotiques des gens patriotiques pour nous capables sauver pays à pour nous mettre nous ensemble pas gain pas en pile nous non saison de trêve parce que nous dans Noël. Donc, tout le monde en nous permet que le gouvernement soit capable de sortir le plus tôt que possible. Président volonté, comme tout le monde déjà connaît, c'est débloqué. Dialogue là, l'a fait avec tout le monde. Et dialogue là, il doit aboutir avec le gouvernement d'Union nationale là. Si tout politicien, si tout le monde connaît le pays pour le sauver, l'a abouti avec le gouvernement. Ce n'est pas un bagage président pour le faire de force, c'est ça qui fait lire chaque secteur, chaque groupe organisé, il parle avec eux à part. Et c'est un bagage tout, nous soutenons dans la proposition, que le président prend toutes les propositions, considère les propositions de tout secteur, après ça, mettez au chita, rencontrez-vous à part, après mettez au chita sous une table pour nous sortir avec un